Super, allez, on est en live, c'est parti. Bonjour à tous, on est super content de vous retrouver pour notre cinquième édition de webinaire. Souvenez-vous, la première c'était en janvier et on arrive bientôt à la fin. La dernière, on sera trop triste, ce sera en juin. Du coup, bienvenue pour notre cinquième. Le thème d'aujourd'hui, c'est la santé connectée, joujou de DSI ou changement de paradigme. Bon, vous nous retrouvez bien là avec un ton volontairement un peu provocateur. Vous savez qu'on n'aime pas trop se prendre au sérieux, même si on parle de sujets hyper sérieux. Alors aujourd'hui, c'est toujours Émilie et moi qui vous proposons ce rendez-vous. Et la guest star du jour, eh ben, c'est rien d'autre que le professeur Patrick Jourdain, fondateur de Covidom, qui est avec nous en direct. Vous voyez, c'est un vrai médecin, Patrick. Il a la blouse et tout, le stéto autour du cou. Et ce n'était pas une mise en scène. Donc, on est hyper contente de l'accueillir aujourd'hui. Vous verrez, il nous fera le retour d'expérience de Covidom. Et puis, comme d'habitude, on se fera en intro un petit point sur le concept de santé connectée, e-santé, télésanté, pour un petit peu se retrouver et être dans nos repères. Ensuite, Émilie nous parlera du retour d'expérience de Karolinska. Ce sera dans notre catégorie Isla raconte. Vous savez qu'à chaque fois, on essaye de faire une petite mise en lumière d'un modèle étranger qui brille, qui paraît lointain, mais attractif. Et puis après, sur Allô la France, c'est Patrick qui nous ramènera les pieds sur terre et qui nous montrera à quel point on peut à la fois être ambitieux et réaliste dans notre, voilà, dans notre contexte. Donc, du coup, on est hyper contente de l'avoir. Et puis, comme d'habitude, eh bien, ce sera les trois petits pas pour commencer partout là où on est, qu'on soit voilà, manager hospitalier, dans l'innovation, designer, qu'à l'hôpital, on soit filière administrative, médico-soignante, technique, logistique, voilà. Et puis pour finir, quelques références pour aller plus loin, comme d'habitude. Je ne nous retarde pas plus, on essaiera de tenir les timings comme d'habitude pour ne pas vous retarder. Et puis à la fin, on prendra quelques questions. C'est parti. Alors, c'est quoi ce webinaire? Certains d'entre vous sont des habitués et d'autres, c'est la première fois. Donc, Émilie et moi, on s'est donné comme défi de proposer 6 webinaires entre janvier et juin, un par mois, dédiés au thème général du management de l'innovation. Donc, en gros, comment on organise, on détecte, on soutient, on valorise, on passe à l'échelle l'innovation dans le secteur de la santé et souvent avec un petit focus hospitalier, mais pas que. Par innovation, on entend l'écosystème large de l'innovation. On est allé chercher des thématiques qui sont un peu à la mode ou dont on entend parler pour essayer de faire le tri entre le vrai et le faux, le préjugé et la réalité. On s'est intéressé au design de service, au nouveau modèle organisationnel, à l'intrapreneuriat, à l'expérience patient. Puis on clôturera en juin avec la responsabilité sociale d'entreprise, la RSE. Et puis ce webinaire, il s'adresse à vous tous, que vous soyez hospitalier, acteur dans la santé, du monde de l'innovation ou pas. En fait, on essaye de s'adresser à des gens qui ont la casquette ou le profil intrapreneur. Et donc, du coup, par là, on entend des gens qui sont sur le terrain, dans des organisations en santé et ou autour d'organisations de santé en partenariat qui veulent faire changer les choses de l'intérieur. Du coup, je passe la main à Émilie pour le petit. Ah, ben non, pardon, c'est moi qui continue. Alors, du coup, l'objectif du webinaire, c'est d'abord de connecter les innovateurs, intrapreneurs et décideurs au sein d'une communauté apprenante, informelle et conviviale, parce qu'on sait qu'en fait, souvent, on est assez isolé dans nos établissements ou nos organisations. On a certaines appétences, certains points d'intérêt, mais en fait, on se retrouve assez seul à s'y intéresser autour de nous, alors qu'en réalité, on est nombreux dans les structures à s'intéresser à ça, et le manque, c'est un peu la mise en connexion. Aussi, le but du webinaire, c'est de mettre en partage des contenus inspirants, des contenus qu'on ne voit pas forcément passer, qui s'adressent à la fois, enfin, qui ont une tonalité généraliste, qui permettent de mettre les pieds dans un sujet. Ce n'est pas des webinaires de spécialistes, mais qui permettent aussi d'aller plus loin. On veut aussi un peu surmonter les limites de notre formation initiale, où souvent il y a peu de temps, voire pas de temps du tout, accordé au sujet de l'innovation, de l'écosystème de l'innovation, tant dans la partie des techniques, des approches qui soutiennent l'innovation, que dans les domaines où elle prospère. Et puis aussi, notre vrai objectif, c'est de participer à la remise en capacité d'envie et d'agir de ceux qui bossent dans ces organisations-là, qui parfois subissent très très fort le poids de la contrainte, le poids de la résignation et de l'inertie. Et du coup, je passe la main à Émilie pour le topo de départ, mais de quoi on se parle avant qu'on en parle plus précisément. Bonjour à tous, merci Inès pour cette présentation. Alors, on va commencer par ce que c'est les soins connectés. On s'est dit que ça valait le coup de faire un petit point sur les définitions.
Alors, en fait, quand on parle de santé connectée, on peut parler aussi bien de e-santé, télésanté, santé numérique. Donc, à chaque fois, voilà, c'est vraiment ce grand chapeau qui regroupe tout ce qui concerne la santé connectée. Et donc, c'est dans tous les domaines où les technologies de l'information et de la communication sont mises au service de la santé au sens de l'OMS, donc vraiment une définition large. Donc, ça va de la télémédecine, on peut l'utiliser dans la prévention, on peut l'utiliser dans le maintien à domicile, le suivi des maladies chroniques à distance, le télémonitoring, les applications à la domotique, les dossiers médicaux électroniques. Donc, c'est vraiment un énorme chapeau qui recouvre beaucoup de choses. Alors, j'ai pris quelques exemples pour illustrer un peu à quoi ça peut ressembler la santé connectée, parce que quand on dit santé connectée, on pense, je pense spontanément, téléconsultation. Donc, c'est l'exemple sur la gauche. Effectivement, téléconsultation, ça rentre dans les cases. Donc, c'est le médecin qui est à son bureau ou chez lui, qui consulte avec un patient. Bon, on voit bien que déjà, ça implique pas mal de choses, notamment d'avoir accès au dossier du patient depuis cet ordinateur qui est situé à un tel ou tel endroit. Donc, ça implique quand même des éléments qui vont au-delà de la simple application, mais même déjà, rien qu'avec une application mobile, on peut faire beaucoup de choses. Si on va vers le haut, donc là, c'est plus la santé connectée à l'hôpital. Donc, on a le classique, les RCP qui peuvent être en ligne, qui vont réunir des médecins, qui vont être sur plusieurs hôpitaux et les faire travailler ensemble, partager des dossiers. Donc, là aussi, il faut que la technologie suive, notamment le partage en ce qui concerne l'imagerie. La deuxième image, c'est une image dont on parle un peu plus sur le Karolinska, d'endoscopie guidée à distance, en fait. On a un endoscopiste qui pratique le geste à un endroit et un autre qui a les images en temps réel et qui peut du coup conseiller son confrère sur la meilleure manière de le faire. Donc le premier étant un endoscopiste un peu généraliste et le second un plus spécialisé sur telle ou telle pathologie ou tel ou tel geste. La troisième image, c'est une image de la Mayo Clinic où c'est de la télé-néonatologie. Donc en fait, c'est pour les hôpitaux un peu, les maternités de proximité, quand il y a une situation d'urgence sur un nouveau-né prématuré ou autre, un spécialiste en néonatologie intervient par du coup télé-expertise pour conseiller ses confrères sur les actes à faire et les guider un peu dans les actions à mettre en place. Le suivant, donc c'est la télé-expertise un peu plus classique, là aussi au Karolinska, dont on reparlera, entre deux médecins qui échangent sur un dossier. Et puis le troisième, alors qui est un peu caché par le logo là, c'est une salle de pilotage clinique, de télémonitoring dans un hôpital. En fait, c'est au Nemours, c'est un hôpital de Floride. Donc là, on est vraiment sur un niveau encore au-dessus, où en fait, ils ont une salle qui suit tous les constantes vitales des patients de tout l'hôpital et qui leur permet du coup de dépister des situations. Et il y a des caméras dans les chambres pour que l'équipe puisse intervenir ou se mettre en lien avec l'équipe du service. Donc on voit que ça couvre un spectre très large qui du coup est vraiment intégré dans le fonctionnement quotidien de l'hôpital. Mais alors ça va au-delà de l'hôpital ou de la médecine primaire, c'est un peu ce à quoi on pense en général. Sur la droite, vous voyez, c'est une application qui permet de faire de la télé-rééducation. En fait, c'est un kiné qui peut suivre grâce à une application les activités de rééducation menées par des patients à domicile. Et puis le dernier en bas, c'est une application au secteur médico-social, où en fait le centre de soins à domicile de la maternité d'Helsinki a mis en place des équipes hybrides, en fait, qui vont faire une partie de leur semaine à domicile en tournant et une partie en télésuivi. Et donc en télésuivi, qu'est-ce qu'ils font avec les personnes âgées à domicile? Ils les aident ils vérifient qu'ils prennent bien leurs médicaments, ils les appellent au moment des repas, ils leur font faire des activités, y compris avec d'autres collègues. C'est un dispositif qui existe depuis plusieurs années déjà. Nous, on l'avait vu lors d'une visite d'études en 2017, donc ça vous donne une idée. Et on peut bien imaginer l'intérêt que ça avait pendant la période du Covid. Voilà, ça vous donne un peu un panorama assez large de ce que ça peut être la santé connectée dans le monde de la santé et du médico-social. Et alors, cette diapositive-là, c'est pour montrer un peu la complexité qu'il peut y avoir et les enjeux auxquels il faut penser pour mettre en place de la santé connectée. Ce qui est important sur cette diapositive, c'est que nous, souvent, on pense à la difficulté, la complexité technologique. Donc, c'est
c'est l'échelle du bas. Donc, on se dit, bah, évidemment, c'est plus complexe d'utiliser une messagerie sécurisée que de mettre en place des interventions non programmées en temps réel. Mais en fait, il faut se dire aussi que cette complexité technologique, elle se double aussi d'une difficulté d'intégration dans les organisations de travail. Et c'est souvent un peu, on pense à l'outil, mais on ne pense pas forcément à comment on va l'intégrer dans les organisations de travail. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel on souhaite insister. Donc, on voit bien qu'au fur et à mesure, c'est de plus en plus complexe. Ce n'est pas du tout infaisable, mais c'est des enjeux qu'il faut avoir en tête au moment où on pense à l'acquisition ou au déploiement des technologies. Ainsi, voilà, on peut avoir dans la santé connectée, ça va de la messagerie sécurisée à l'échange de données d'interprétation d'imagerie à distance, du coup, qui peuvent être en décalé, à des consultations programmées, des téléconsultations programmées, donc des e-visites, des e-consultations. Les visioconférences où, du coup, il n'y a pas une seule personne qui doit se connecter, mais voilà. Et puis, l'étage au-dessus, c'est le monitoring à distance, donc il peut être à domicile, qui peut être aussi dans les unités de soins, parce qu'on pense souvent monitoring, on va monitorer un patient qui va avoir un dispositif de suivi de ses constantes à domicile. Mais oui, donc ça existe effectivement, mais il y a beaucoup d'hôpitaux, notamment aux États-Unis, qui utilisent le monitoring dans l'hôpital. Et donc, c'est l'exemple que je vous montrais là au Nemours, où il y a tous les constantes des patients qui sont suivis simultanément. Le niveau d'organisation plus complexe et de technologie, c'est les interventions programmées en temps réel. Donc, c'est par exemple les endoscopies dont je vous parlais. Et puis, il y a donc les interventions non programmées en temps réel. Et là, du coup, ça va être la néonatologie à la Mayo Clinic, où du coup, il faut qu'il y ait une permanence qui soit organisée et que vraiment les médecins aient cette capacité à se rendre disponible immédiatement en temps de besoin. Alors, comment on fait pour penser à un écosystème de santé connectée qui soit centré autour du patient ? C'est un peu des fondamentaux qui permettent de se poser les bonnes questions au moment où on se lance. Déjà, on pense au rôle de l'équipe soignante, parce que ça paraît un peu évident. Mais donc, ce n'est pas que un joujou du DSI, vous avez un peu compris notre titre provocateur. Il faut que l'équipe soignante soit aussi impliquée dans la santé connectée, il faut qu'ils connaissent les outils, encore mieux s'ils peuvent les avoir choisis, voire les avoir co-construits, et qu'ils les intègrent dans leur flux de travail clinique, c'est-à-dire qu'ils prévoient d'être disponibles et de pouvoir les utiliser au quotidien, que ce ne soit pas quelque chose d'exceptionnel ou un gadget. Il faut que ce soit intégré dans le parcours patient de manière cohérente et adaptée aux besoins des utilisateurs, avec un design inclusif pour éviter que ce soit des applications ou des supports hyper compliqués à utiliser que du coup la moitié de la population ne peut pas utiliser. Il faut les éduquer et les soutenir pour qu'ils puissent avoir accès à tous les soins. Donc, il ne suffit pas de donner une app au patient et lui dire « bah voilà, vous utiliserez ça à la maison en sortant ». Mais il faut vraiment les former. Il faut repenser les politiques de santé, notamment avec des incitatifs comme le remboursement, la formation et le soutien à l'harmonisation et à l'interopérabilité. Donc, on voit que c'est parfois un peu là que le bât blesse en France. Et puis, qu'il y ait une éthique des données, voilà, avec un stockage sécurisé, une transparence et un rôle actif des utilisateurs. Donc, ça vous donne un peu les six grands éléments qui permettent de structurer l'adoption des dispositifs de santé connectés. Et puis, enfin, un peu dans l'idée de ce changement de paradigme dont on parlait dans notre titre, la santé connectée, c'est un outil qui permet de répondre à des enjeux rencontrés par les systèmes de santé. Donc, on insiste bien sur le fait que c'est un outil, c'est pas la solution miracle à tous les problèmes, c'est pas ça qui va résoudre la crise du système de santé, les problèmes de démographie ou d'organisation. On a 100% conscience que ce n'est pas du tout sur ce niveau-là dont on se situe. Mais quand même, c'est des outils qui peuvent vraiment améliorer beaucoup de choses. Donc déjà, ça peut être des outils vraiment très importants à l'intégration des soins et à la montée en qualité des pratiques. Donc celle-là, c'est l'exemple de Kaiser Permanente, où ils ont un dossier informatisé unique qui permet vraiment de faire communiquer les médecins entre eux avec des procédures standards, avec du coup des aides au diagnostic grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet de connecter les acteurs de santé et les patients et d'améliorer la qualité des soins. Ça peut aussi améliorer l'expérience patient. Donc, il y a plein d'établissements qui mettent en place des applications pour apporter des informations, des outils et guider les patients dans le système de santé. Par exemple, il y a des outils thérapeutiques comme des outils d'aide à améliorer sa santé mentale avec Kamaï. Ça peut être aussi des outils de géolocalisation comme au Cleveland Clinic.
C'est un outil d'amélioration de la sécurité des soins. Donc là, c'était l'exemple du Nemours avec le monitoring où, du coup, il y a une anticipation possible, une analyse des données des patients et du coup, une sorte de parachute pour les soignants des unités de soins qui, du coup, ont plus d'informations et ont des alertes sinon ils devraient faire manuellement. Un impact possible sur l'attractivité et la fidélisation des professionnels. En effet, par exemple, la téléconsultation ou le dispositif dont je vous parlais à Helsinki sur les soins à domicile, ça permet de proposer du télétravail aux soignants, ce qui est quand même quelque chose qui peut être intéressant à hauteur de ne serait-ce qu'un jour par mois. Ça peut être quelque chose d'attractif, surtout avec les nouvelles attentes des professionnels. Le développement des soins à domicile et de l'ambulatoire. Donc, par exemple, au Mercy Hospital, ils font sortir par exemple, les prématurés assez rapidement de l'établissement après la naissance, mais ils font un suivi grâce à des tablettes et des applications qui permettent de distinguer, d'anticiper des dégradations de l'état de santé des nouveau-nés et de les réhospitaliser si besoin, mais de les avoir chez eux si tout va bien. Et puis, un élément qui fait écho à notre prochain webinaire, qui est celui de la protection de l'environnement. En effet, le NHS, dans sa stratégie for a greener NHS, donc pour un NHS plus vert en Angleterre, a intégré la réduction des déplacements des patients dont ses cibles. Et pour ce faire, ils ont en partie d'avoir de plus en plus de téléconsultations. Effectivement, ça limite les déplacements des patients. Donc voilà, très rapidement, on vous brosse un panorama de l'impact que peut avoir la santé connectée sur les systèmes de santé et médico-sociaux au sens large. Alors ensuite, on passe à l'exemple de la Suède. Donc pour les 10 prochaines minutes, là, je vais vous parler un peu de la Suède et du coup de la manière dont la santé connectée leur permet de réorganiser leur offre de soins de manière assez structurelle. On aurait pu prendre plein d'exemples, hein, j'en ai plein. Il y a des hôpitaux virtuels aux États-Unis, tous les pays se mettent. Je suis sûre qu'en France, il y a aussi énormément de solutions. On parlera ensuite de Covid. Mais là, donc, l'exemple qu'on a choisi, c'est la Suède. Donc, juste quelques éléments de contexte pour comprendre de là où ils travaillent. Donc, l'offre de soins en Suède, déjà, ils desservent 9,8 millions d'habitants, donc une toute petite population. En France, on est à 64,7 millions d'habitants. Et une superficie qui fait quand même presque la moitié de la superficie de la France. Donc on voit bien une densité de population qui est très faible, notamment dans les régions du Nord. Ils ont du coup 290 municipalités, donc par rapport aux 37 000 communes françaises, ça vous donne une idée. Ils ont complètement restructuré leur structure territoriale, et puis 20 régions. Donc, c'est les régions qui sont responsables de l'offre de soins médicales, et les municipalités sont responsables de l'offre de soins médico-sociales et de l'offre de soins primaires. Donc, c'est vraiment un système public qui est organisé par les collectivités territoriales, financé et organisé par les collectivités territoriales. Au niveau de leur offre de soins, donc, ils ont 1150 centres de santé sur le territoire, 60 hôpitaux, donc, pour un territoire de 500 000 km². Et ils en ont fermé un certain nombre. Ils ont profondément restructuré leur offre de soins au fil des années. Et ils ont donc 7 CHU. Et ils ont donc forcément réduit et restructuré leur offre de soins des hôpitaux. Et c'est ça, ils l'ont fait notamment grâce aux soins connectés. Donc c'est un peu ce qu'on va voir avec l'exemple du CHU Karolinska. Avant de rentrer dans l'exemple du CHU Karolinska, je voulais dire deux mots du système 1177. Donc, le système 1177, c'est une plateforme qui a été créée donc, par le gouvernement, le ministère de la Santé suédois. Et c'est un centre national d'information et de services dans le domaine de la santé. C'est un site web qui est accessible à tous, qui propose des conseils aux patients, des informations et inspirations et des services en ligne. Quand on dit conseil aux patients, on est vraiment sur une aide pour que les patients sachent s'il faut venir à l'hôpital, comment il faut venir, et des indications de base sur leur état de santé. Il y a notamment, par exemple, pas mal de vidéos sur aider à gérer des troubles du sommeil, etc. Donc, on est vraiment dans
l'empouvoirment, l'empowerment des patients en leur mettant des informations à disposition. Et donc, ils ont, grâce à cette plateforme, ils peuvent se loguer, donc s'identifier et avoir un accès à leur dossier patient informatisé avec toutes les informations, notamment les prescriptions, etc. Et à des accès à des services de téléconsultation. Et donc, on voit que c'est un outil qui a été pensé au niveau national dans une région où la densité d'offres de soins, dans un pays où la densité d'offres de soins est aléatoire au mieux, enfin, parfois très limitée à certains endroits. Et donc, ils ont pensé ces outils, utiliser la santé connectée pour permettre aux patients d'être connectés aux services de santé tout en n'ayant pas forcément la possibilité de s'y rendre eux-mêmes. Donc, c'est vraiment une base qui, à mon sens, est indispensable pour pouvoir ensuite opérer les autres éléments. Donc, juste un mot sur le CHU de Karolinska. Donc, c'est le premier CHU de Suède, hein, et donc il y en a 6 autres. Et ils ont un centre de l'innovation qui est très intéressant, qu'on a visité plusieurs fois, qui a donc 20 employés et qui est vraiment chargé de la gestion des innovations, du soutien à l'innovation, des projets d'infrastructure et d'éducation pour les professionnels, donc de formation. C'est vraiment une structure qui a pour mission de faciliter les projets innovants menés par le personnel clinique. Et donc, dans ce centre de l'innovation, il y a une petite équipe qui est dédiée à tout ce qui est le développement de la santé connectée et de la télésanté. Ce qui est intéressant, donc, ce que nous présente le CHU Karolinska, c'est qu'ils pensent vraiment la télémédecine, la télésanté comme un écosystème et qu'ils ont bien conscience de tout ce qu'il faut avoir cet écosystème pour que ça fonctionne. Donc, c'est déjà les technologies de communication, hein, les technologies elles-mêmes, des plateformes technologiques, donc souvent pour les différents projets qu'ils mènent, ils vont développer des plateformes, et donc ils ont des équipes qui sont en capacité de développer ou ils créent des partenariats pour les développer. Il faut que l'informatique fonctionne, voilà, on ne peut pas se lancer dans un projet de santé connecté s'il n'y a pas du Wi-Fi qui est fonctionnel dans toutes les unités. Il faut du coup des technologies qui fonctionnent également. Les technologies médicales, des procédés de travail, donc c'est vraiment ce qu'on s'était dit sur l'aspect organisationnel, c'est vraiment un des éléments indispensables, et puis un système de remboursement par l'État, par le comté, par les hôpitaux. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que la télémédecine, ce n'est pas un joujou, un gadget qui est d'entre les mains de la direction des services informatiques, mais que c'est vraiment un écosystème qui est transverse à tout l'hôpital. Alors, je vais vous prendre quelques exemples pour vous montrer à quoi ça ressemble et comment ça les aide à répondre à leur mission de service public. Donc, le premier exemple que j'ai abordé très récemment avant, c'était le guidage des endoscopies. Donc, déjà depuis 2011, hein, on est sur des pratiques qui sont quand même anciennes et qui ont fait leurs preuves. Donc, l'idée, c'est qu'il y a peu d'experts de l'endoscopie, peu de médecins spécialisés en endoscopie en Suède. Et que du coup, entre un médecin qui est très spécialisé en endoscopie, notamment par exemple, qui en fait tout plusieurs par jour, et un médecin qui va en faire un par semaine, il va y avoir des inégalités de qualité des soins entre les patients et des inégalités de traitement. Et donc, ils ont décidé que des médecins endoscopistes spécialistes du CHU de Karolinska viendraient en soutien des médecins moins spécialisés qui exercent dans les hôpitaux, par exemple. Dans le grand nord de la Suède et les conseillerait pendant les endoscopies. Donc, c'est vraiment un système de guidage à distance qui est facile à mettre en place. Hein. Là, c'est un système de rendez-vous. Il faut juste avoir la technologie pour que les images soient les mêmes. Donc, de toute façon, ils voient la même chose entre l'écran sur lequel est reporté les images de l'endoscopie dans le grand nord et celui à Stockholm. C'est les mêmes images. Et donc, ce dispositif a permis d'améliorer la qualité des soins. Ça a permis aussi de développer les compétences dans les hôpitaux locaux, puisque le médecin spécialiste qui guide le médecin moins spécialiste lui montre aussi, lui explique, l'aide à monter en compétences dans son geste. Et puis, donc, ça fait moins de déplacements, puisque les patients, pour des endoscopies plus spécialisées sur des problématiques plus ciblées, n'ont pas besoin de prendre l'avion pour aller à Stockholm, mais peuvent rester dans leur hôpital de proximité, dans le grand nord de la Suède ou autre. Donc, c'est des coûts diminués pour les patients, pour les assureurs et pour les médecins. Donc, c'est vraiment des systèmes qui sont un peu gagnant-gagnant pour les différents acteurs. Un autre exemple, du coup, c'était la télé-expertise.
Et donc, on voit bien là aussi que c'est des apports pour les professionnels médicaux également et pour les patients. En effet, avant la mise en place de ce dispositif, les médecins généralistes adressaient leurs patients donc pour lesquels ils suspectaient une maladie de Parkinson à des spécialistes qui se trouvaient à Stockholm, parce qu'il n'y avait pas d'autres spécialistes de la maladie de Parkinson qu'à Stockholm. Enfin, il y en avait peut-être d'autres, mais enfin voilà, c'était souvent à Stockholm pour les plus spécialisés. Et en fait, vous voyez en bas dans le tableau, dans 80, dans un très grand nombre de cas, les personnes venaient en consultation, mais en fait, ils n'auraient pas eu besoin de venir en consultation parce que ce n'était pas la maladie de Parkinson. Et donc, ils ont mis en place ce système de télé-expertise où le médecin généraliste échange avec le médecin neurologue spécialiste du Karolinska pour décider si, au vu du dossier du patient et de sa situation, si c'est vraiment une suspicion de maladie de Parkinson. Et donc, ça transforme le fait qu'avant... Avant la mise en place de ce dispositif de télé-expertise, les délais pour un accès avec un rendez-vous avec le spécialiste étaient de 6 mois, et maintenant il est passé de 7 jours. C'est le médecin généraliste qui fait directement le lien avec l'expert. Et si vraiment c'est confirmé que c'est une maladie de Parkinson, le patient peut se déplacer jusqu'à Stockholm. Donc ça fait vraiment des économies. Et pour le neurologue qui, du coup, ne voit plus que des patients qui ont vraiment besoin d'être là. Et pour le patient qui, du coup, ne se déplace pas pour rien. Et pour le médecin généraliste qui, du coup, est vraiment bien équipé pour être dans l'interaction avec son patient. Donc là, c'est un peu le même système. Et donc là, c'est la téléconsultation. Donc c'est le médecin spécialiste qui fait du coup des évaluations de patients à domicile. Donc là aussi, le patient n'a pas besoin de se déplacer. Il a un temps passé avec le médecin qui est vraiment ciblé sur l'évaluation et sur les besoins. Et donc, ça gagne. C'est des mesures qui sont très efficientes. Surtout qu'on peut penser que les patients avec la maladie de Parkinson peuvent avoir des problèmes pour se déplacer. Bon, les vidéos visites en ambulatoire, on voit que c'était déjà à 2015. Donc ça, c'est quelque chose qui, depuis le Covid, s'est vraiment généralisé. Un exemple un peu qui sort de cet aspect vraiment médecine spécialisée, c'est de pouvoir dispenser de l'activité physique en utilisant la télésanté pour la prévention secondaire des AVC. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que la Suède, ils ne sont pas à travailler tout seuls dans leur coin. Ils regardent aussi ce qui se fait ailleurs, et notamment en Australie, qui a les mêmes problèmes d'accès aux soins et de densité médicale très, très différente, et de zones très rurales où il n'y a pas beaucoup d'offres de soins. Et donc, ils ont récupéré ce programme Enable, qui permet, du coup, pour des patients qui ont fait un AVC, de les accompagner dans la remise à l'activité physique grâce à un kinésithérapeute qui propose des activités en ligne, des informations, des recommandations, etc., pendant une durée de 6 mois après l'AVC. Et du coup, c'est vraiment... Donc, ils ont créé une plateforme de télésanté pour permettre la mise en place de ces dispositifs de suivi. Et on voit bien que c'est une manière optimisée, on va dire, de proposer du suivi, sachant que ça n'empêche pas à des moments de se retrouver en présentiel. Mais ça permet d'avoir un suivi et d'éviter de déplacer les patients qui ne sont pas forcément très mobiles. Et puis, donc, un dernier exemple qui n'est pas au CHU de Karolinska, mais au CHU d'Uppsala, qui est situé à côté de Karolinska, c'est sur la psychiatrie. Pendant la COVID, ils ont augmenté de 3000% le nombre de téléconsultations. En fait, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'ils étaient prêts hein, au moment de la COVID. Et du coup, ils ont vraiment tout basculé en thérapie et conseil individuel. Ils ont essayé de faire de la thérapie de groupe, mais ça a été un peu plus compliqué, mais ils y travaillaient néanmoins. Et donc, ce qui est à noter, c'est que là, la crise a permis de généraliser le dispositif et que maintenant, ils essaient de maintenir ces efforts après la pandémie en adaptant du coup aux différents groupes de patients qui ne sont pas tous les mêmes. Donc, pour les jeunes, les personnes âgées, les troubles cognitifs, à chaque fois, ils doivent penser des organisations de la télémédecine qui va être plus pertinente. Et surtout, ce qui les intéresse, c'est de mettre en place des traitements mixtes. Par exemple, la personne peut venir une fois par semaine à l'hôpital et puis avoir le deuxième suivi de la semaine en téléconsultation ou en consultation de groupe à distance. Ça, c'est pour des exemples où c'est le patient tout seul chez lui ou avec sa famille qui fait la téléconsultation avec le médecin. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est par exemple sur la psychiatrie légale où
comme en France, ils n'ont pas beaucoup de spécialistes. Ils utilisent en fait un dispositif où il y a une infirmière psychiatrique qui est présente dans la prison, qui est avec le patient pendant sa thérapie, et puis le psychiatre qui est à distance. C'est une compétence rare, ça évite qu'il ait à se déplacer, à faire 2 heures de route par jour, et ça lui permet du coup de pouvoir réaliser ses expertises sans avoir besoin de se déplacer ou de déplacer le prisonnier. Donc le CHU de Karolinska, il est vraiment très dynamique, donc il a créé une Académie européenne de la transformation en santé qui travaille sur ces éléments de télésanté, et puis ils ont plein d'autres projets que je n'ai pas abordés ici. L'idée, c'était de donner un peu un panorama concret de ce qui peut être fait. Mais bon, ils travaillent sur la réalité augmentée en chirurgie, la robotique et l'automatisation, le diagnostic soutenu par l'intelligence artificielle, une application sur les AVC, donc qui va inclure sans doute l'activité physique, l'utilisation d'algorithmes pour prévenir les infections, et puis le monitoring à distance de pathologies chroniques comme les BPCO ou des infections cardiaques, où du coup le patient porte des moniteurs qui lui permettent d'avoir un suivi par l'équipe soignante. Voilà, donc c'est un peu la partie brossage à grands traits d'exemples internationaux assez avancés. Ce que je vous propose, c'est de demander au professeur Patrick Jourdain de nous présenter Covidum, ce qu'ils ont fait pendant la crise du Covid. Je vous donne la parole. Merci bien, et effectivement, merci pour cette présentation assez large de ce qu'est la e-santé, et puis de ce qu'on peut faire avec la e-santé, sachant que ce qui est intéressant, comme on est dans le halo, ici c'est la France, sans vouloir paraphraser OSS 117, on fait déjà très bien chez nous et ça ne date pas du président Coty. Alors, diapo suivante. Alors, à moins que ce soit moi qui la passe. Mais voilà, donc j'espère que vous la voyez en grand. Moi, je la vois en petit, mais j'espère que pour vous, elle est en grand. Ça y est, elle est en grand. Donc, moi, en fait, je suis le créateur et directeur médical du centre Covidum. Alors, Covidum, pour vous rappeler, qu'est-ce que c'était? C'était quelque chose qui a été monté à l'occasion du Covid, donc en mars 2020, et qui s'est intéressé à suivre médicalement, donc c'est du télémonitoring ou de la télésurveillance de patients atteints de Covid ou suspects de Covid. Et ça aussi, ça a été une grande nouveauté puisque c'est la plus grande plateforme mondiale pour l'instant de ce suivi de type de pathologie. Diapo suivante. Alors, voyez comment ça fonctionne Covidum, c'est-à-dire que vous voyez en haut à gauche, vous avez les patients qui ont eu du Covid. Ils vont soit aller consulter leur médecin traitant, soit consulter à l'hôpital. À ce moment-là, le médecin ou l'infirmière vont les rentrer sur un système informatique, ça prend moins de 5 minutes. Le patient va ensuite à droite recevoir un premier SMS pour valider sa participation avec ce qu'on appelle la validation de conditions générales, le fait de donner un consentement pour l'utilisation des données. Puis ensuite, le patient va recevoir tous les jours entre 1 et 2 SMS lui demandant des données de santé, c'est-à-dire que lui-même rentre sa fréquence cardiaque, sa pression artérielle, sa saturation s'il a un appareil pour le mesurer, sa fréquence respiratoire, et tout ça en fait en étant formé par des petits tutos qui sont disponibles sur l'application. Ensuite, toutes ces informations arrivent à une plateforme qui est la partie un peu en bas, couleur un peu marron clair, et là cette plateforme elle est créée avec des médecins et des intervenants télésurveillance, dont certains d'entre vous ont dû faire partie. Il y avait à la fois des étudiants en santé, des kinés, des pharmaciens, il y avait également des gens qui n'avaient aucune formation médicale et qui étaient simplement là pour aider et qui appelaient le patient de façon à l'aider à se connecter. Et donc, grâce à ça, un patient qui en avait besoin parce qu'il avait par exemple une alerte rouge, etc., il pouvait avoir 2 fois par jour un médecin au téléphone, médecin qui ensuite pouvait soit déclencher l'hospitalisation du patient, soit lui proposer d'aller aux urgences, soit même lui envoyer le SAMU à domicile. Et donc, ça, c'était intéressant puisqu'on avait envoyé plus de 2000 SAMU au domicile des patients. Diapo suivante. Alors, ce qui était bien, c'est que pour les patients, le but, c'était de maintenir les patients à domicile avec la télésurveillance. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas en état d'accueillir tout le monde. Et puis surtout, parce que les patients, ils avaient besoin d'être rassurés. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le Covid, c'était une nouvelle maladie. C'était une maladie très stressante. Il n'y avait pas de cabinet médical
qui a le bout vert, les urgences étaient pleines, etc. Et donc, nous, le but, ça a été de dire, ben, on va pouvoir faire un tri à distance entre ce qui nécessite une prise en charge urgente ou pas. Et puis, ça permettait également une détection précoce de patients qui n'avaient pas l'impression d'être sévères. Par exemple, moi, j'ai eu un collègue médecin, président de CME, et qui n'avait pas compris qu'il était en détresse respiratoire. Et à peine qu'on lui a envoyé le SAMU, une fois que le SAMU l'a amené à l'hôpital, il a dû être intubé, ventilé. Pour les médecins, le but, c'était de permettre un suivi de leurs patients sans avoir besoin forcément d'hospitaliser. Ça permettait d'avoir une solution de relais à la médecine de ville. Ça, c'était très important. Il faut voir que cette plateforme a été créée à la fois par la PHP et l'URPS, et puis alimenter des travaux de recherche scientifique. Pour le système de santé, le but, c'était de désengager les urgences avec le SAMU. Vous vous souvenez, à l'époque, il fallait appeler le SAMU à tous les coups, donc il y avait 3 heures d'attente, mettre en place une organisation adaptable à l'évolution de l'épidémie et mutualiser des ressources régionales. Donc, au total, on était dans le prévenir, détecter, adapter, comme cela avait été choisi sur le plan gouvernemental. Diapo suivante. Alors, en fait, si on regarde finalement le dispositif, comment il s'est développé, on avait initialement Covidom avec source d'inclusion des médecins incluseurs, surtout médecins généralistes, à peu près 50% des patients qui ont été inclus par la ville. Et là, on pouvait rentrer soit des patients Covid suspects, soit des patients Covid positifs. Vous vous souvenez qu'au départ, on ne testait pas tout le monde. Et puis, à partir de juin 2020, on a mis en place avec l'Agence régionale de santé pour aider au déconfinement un programme qui s'appelait Covid Contact, qui permettait, en fait, dès que vous aviez un élément, un test, soit le test était positif, vous étiez Covid+, on vous rentrait automatiquement, soit vous étiez cas contact et vous étiez rentré également. Et donc, ça nous a permis de faire le suivi de plus de 1,5 million de franciliens de façon régulière et c'était proposé à plus de 2,5 millions de patients. En plus, ça a été utilisé en Tunisie, ça a été utilisé en Guadeloupe, donc c'est vraiment quelque chose qui s'est développé et pour lequel on a pu mettre en place un système en kit, en particulier avec l'aide d'instances gouvernementales comme la délégation interministérielle à la transformation publique, qui sont en fait les entrepreneuriats, l'entrepreneuriat de l'État. Diapo suivante. Alors, si on regarde les courbes de l'inclusion, ça a été très rapide et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a traité plus de 500 000 alertes. Plus de 4500 médecins ont inclus des patients, plus de 5000 professionnels de santé ont été formés à la télésurveillance pendant l'utilisation de la plateforme. Diapo suivante. Ce qu'il faut retenir de celle-ci, c'est que le nombre de gens qui intervenaient sur cette plateforme était proportionnel au nombre d'alertes. C'est-à-dire que nous avions créé un logiciel qui permettait de savoir 2 jours à l'avance combien, grosso modo, on aurait d'alertes à traiter. Et donc, ça permettait d'identifier le nombre de collègues à recruter pour faire face à ces besoins. Et puis, on avait également des gens qui pouvaient le faire depuis leur domicile de façon à nous aider à écrêter les pics d'alerte. Et ça, c'était très nouveau dans la télémédecine. Diapo suivante. Alors, si on regarde maintenant l'impact, on va dire, ça a permis d'éviter des consultations, ça a permis d'éviter de passer aux urgences, ça a permis de passer aux urgences quand il y avait besoin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'on voit dans la démarche de soins, c'est que, en fait, globalement, le nombre de patients qui sont allés aux urgences, le taux qu'on a en Île-de-France versus le taux réel, eh bien, on s'aperçoit que le fait d'être dans Covidom, c'est 10 fois moins de chances de passer aux urgences. C'est 50% de chances de moins de consulter un médecin physiquement. Et donc, ça a évité l'écroulement du système de santé. Sur le plan des médecins, 70% des médecins pensent que ça a permis d'éviter des passages aux urgences, 82% que ça a fait diminuer la suractivité du 15. Et puis, pour les médecins hospitaliers, 90% des médecins disent que Covidom a permis une sortie plus précoce après hospitalisation, avec en particulier des patients qui pouvaient sortir sous oxygène chez eux. Et donc, à ce moment-là, à travers Covidom, ils étaient suivis parfois jusqu'à plus de 3 mois. Diapo suivante. Alors en fait, si on regarde ce que ça a permis d'éviter, surtout comme jour d'hospitalisation, pour les médecins inclus par la ville, on estime avoir gagné 4725 jours d'hospitalisation. Alors retenez que, pour vous donner un ordre d'idée, l'hospitalisation pour Covid, c'est en moyenne 10 jours, donc on a gagné 472 lits. Pour les médecins inclus par les médecins hospitaliers, c'est 4300 jours. Et pour les patients après consultation, c'est 8700 jours, soit 17 775 jours d'hospitalisation évitée pour les patients par Covid. Diapo suivante. Alors, je pourrais m'arrêter là et faire une discussion très, très high-tech, très institutionnelle. Regardez comment on a fait. La paix était prête, les médecins étaient prêts, le système était prêt. Ouais, mais tout ça,
En fait, c'est du fake. La réalité n'est pas là. Et c'est pour ça que c'est très intéressant que Covidome soit dans ce webinaire. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, au départ, quand le Covid est arrivé, on a eu une démarche habituelle qui a été de dire « bah pas de problème, on va ouvrir des consultes, on va demander aux gens d'appeler le SAMU ». Sauf que ça, ça n'a pas marché. Sauf que ça, les gens s'entretuaient dans les lignes d'attente et on commençait à avoir des morts parce que les patients qui arrivaient en 300e position aux urgences, ben finalement, ils attendaient leur tour. Et donc, clairement, Covidome, c'est totalement différent. Alors, bien sûr, la structure telle que je vous l'ai présentée, c'est vrai. Les résultats, l'impact, le côté positif de Covidome, c'est vrai. Mais comment ça s'est passé ? Ça s'est passé, c'est simple, retenez, entre le 2 et le 9 mars. Le 2 mars, première réunion avec Martin Hirsch. Et là, l'idée, on est quatre dans la salle et on se dit comment la télémédecine peut aider à prendre en charge les patients du Covid. Et d'emblée, on s'est dit, le problème, ce n'est pas tant pour un patient donné que le défi populationnel. Comment prendre en charge s'il y a besoin des millions de patients ? Comment rassurer des populations pour écrémer, écréter, avant que les gens ne viennent aux urgences, avant qu'ils ne viennent à l'hôpital ? Et pour ça, l'idée, ça a été de se dire, eh ben, on va prendre tous ceux qui peuvent travailler 24 heures sur 24 en une semaine. On a trouvé une entreprise qui pouvait travailler 24 heures sur 24. On a pris des médecins, on a pris des non-médecins, on a pris des soignants qui pouvaient travailler 24 heures sur 24. Et on a créé from scratch une plateforme en une semaine. En une semaine ! Alors que d'habitude, on vous dit, c'est un an. Et en fait, cette plateforme, on l'a fait évoluer chaque jour, chaque heure. Dès qu'on avait un petit problème, on le notait, on retransmettait à l'informatique, qui rechangeait les choses. On avait carte blanche pour travailler, etc. On a réquisitionné d'abord une pièce dans les locaux de la paix et on a écumé les couloirs pour trouver des collègues qui ont appris à 10h30 qu'ils allaient faire de la télésurveillance médicalisée à 14h. Et donc, on a dû les former entre 10h30 et 14h. C'est simple, l'idée a été, on a une demi-heure, on forme en une demi-heure, on a une heure, on forme en une heure. Et les défis, ça a été tout pris comme ça. On s'est dit, il va falloir former beaucoup de monde. Donc, on a dit, on va faire des formations online, on va faire des mini-films. On a commencé à tourner les films à 14h. À 15h, des collègues de l'AP ont arrivé à peu près à toiletter le film pour qu'il soit bien. À 16h, on l'utilisait pour former le groupe suivant qui allait servir d'intervenant le lendemain matin. Et on a tourné comme ça en permanence, de façon à pouvoir former 7 jours sur 7, au minimum 4 groupes de gens par jour, par groupe de 50, en associant formation théorique, formation pratique, en associant QCM pour pouvoir évaluer le niveau des gens et compagnonnage pour voir si la personne avait l'empathie suffisante. Et puis, on est sorti des sentiers battus. On s'est dit, tiens, on ne va pas faire un comité scientifique que de médecins. Il y a besoin de 1, 2, 3 médecins pour donner les éléments généraux, pour garder le côté éthique. Et après, on va prendre des gens en fonction non pas de leur diplôme, non pas de leur papier, non pas de leur statut, mais uniquement en fonction de ce qu'ils pouvaient apporter. Donc, on a pris des gens du ministère de la Culture, on a pris des gens qui étaient épiciers, on a pris des gens qui étaient cadres, on a pris des gens qui étaient syndiqués, on a pris des gens qui étaient non-médecins, on a pris des avocats, on a pris tout le monde. Et grâce à ça, on a travaillé en cellule où le but, c'est il faut remonter un problème. Dès qu'on a identifié un problème, on le remonte. Et nous, on doit le traiter dans la demi-journée avec un petit groupe de gens. Et donc, c'est comme ça que ça a fonctionné. On s'est dit, tiens, il y a des gens qui sont, par exemple, qui n'arrivent pas à utiliser le système Internet parce qu'ils n'ont pas d'accès ou parce qu'ils sont un peu vieux, ils n'arrivent pas à servir de l'informatique. Donc, on a recruté des gens non médecins, non soignants, qu'on va former spécifiquement à l'écoute et à l'aide des gens pour pouvoir les aider à remplir leur questionnaire et qui appelaient systématiquement ces personnes victimes d'électronisme de façon à pouvoir les rentrer. On s'est dit, oui, mais on a le problème des gens sans domicile fixe. Eh bien, on a trouvé un élément d'accord avec les collègues de l'Hôtel Dieu, les collègues du PASS, de façon à ce que ces patients-là puissent également bénéficier d'un suivi, etc., etc. Et c'est ça qui a été très nouveau. C'est-à-dire qu'on a eu un fonctionnement en mode projet. On a eu un fonctionnement qui s'est basé sur la confiance. Et le maître mot, c'est quoi ? C'est on doit rentrer un truc rond dans un truc carré. Voilà de ce quoi on dispose. On n'attend pas des moyens, on n'attend pas des gens. On n'attend pas je ne sais quel expert. On trouve la solution. On ne sort pas de la pièce tant qu'on ne l'a pas. Et donc, nos grands outils, ça a été nos cerveaux, ça a été les paperboards,
Ça a été le design de façon à vite arriver à communiquer sur ce qu'on faisait. Et ça a été surtout la confiance dans les collègues et dans les non-collègues. Et je crois que si on avait à dire un élément pour résumer Covidum, c'est une aventure humaine. Et vous voyez dans les trois petits mots qui vous sont présentés, humain, entraide, aider, ça, c'est ce que les volontaires ont dit qu'ils retenaient de Covidum. Et je vais vous dire, ce qui était le plus stimulant, c'était de garder tous les petits mots des patients, de les garder dans des grands tableaux et de voir combien les gens qui étaient là pour répondre au téléphone, à l'époque, vous vous souvenez, c'était stressant, c'était confiné, c'était compliqué, et puis on avait des patients pas bien au téléphone. Mais combien les collègues qui se sont intégrés dans ce travail étaient heureux et fiers. Et puis surtout, comme m'ont dit certains soignants, grâce à Covidum, ils ont trouvé pourquoi ils avaient choisi ce métier-là. Parce qu'on n'est jamais soignant par hasard. Et comme je dis, des gens qui ne sont pas médecins, qui ne sont pas infirmiers, qui ne sont pas étudiants en santé, mais qui ont participé, eh bien, si ce n'était pas des soignants de papier, c'était au moins des soignants de cœur. Et je crois que grâce à Covidum, on a montré qu'en fait, en brassant les intelligences, en sortant de nos petites chapelles, en sortant de nos postures un peu à l'ancienne, et en se faisant confiance et en travaillant beaucoup, eh bien, on arrive à montrer qu'en France, on fait bien mieux que dans le monde, et puis que surtout, il n'y a de valeur que dans l'être humain. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est très inspirant. Ça donne envie de continuer à découvrir des belles initiatives comme ça. On espère. Et encore une fois, pour tous ceux qui auraient travaillé à Covidum et qui n'ont pas eu le petit bouquin qu'on a fabriqué pour l'occasion, où il y a votre nom si vous y avez travaillé, n'hésitez pas à le réclamer à mon secrétariat. Merci beaucoup, Patrick. Je crois que tout le monde comprend pourquoi moi, je veux bosser avec Patrick, en fait. Donc, j'attends qu'il... Et tout le monde voit bien comment tu arrives à faire passer tout ton enthousiasme, puisque je me souviens des premiers ateliers de co-design, c'était à l'époque au ministère. Comme quoi, tu vois, si je n'ai pas toujours l'air, des fois, j'écoute. Est-ce qu'on a des questions sur les éléments qui ont été présentés ? Vous pouvez les mettre dans les commentaires ou sinon on va passer à la rubrique suivante. Juste, moi j'avais une petite remarque. Ce que je trouve extrêmement intéressant dans votre démarche à toutes les deux, c'est que justement ce que ça a démontré, c'est qu'on ne peut jamais être prêt face à un élément de crise, quel qu'il soit finalement, on n'est jamais prêt. Donc se dire on a tout prévu, ça ne marche jamais. Par contre, se dire, tiens, en cas de crise, est-ce qu'on peut avoir un dispositif souple avec des gens souples et surtout, j'allais dire, des gens qui sont capables d'être adaptatifs et à qui il faut faire confiance, je pense que c'est ça qui est important. Parce que moi, je vois bien dans les régions où ils se sont dit, on va monter un nouveau comité Théodule. Alors, dans le comité Théodule, alors, il faut mettre un tel parce qu'il va représenter un tel parce que c'est un tel parce que c'est ça, ça ne marche pas. Et en fait, je crois que la grande leçon, et ça, vous en êtes vraiment les porteuses, c'est de dire, je suis sûr que parmi nous, parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui ont cette volonté de changer les choses. Et ce qu'il faut vraiment, c'est y aller. C'est-à-dire que croyez en vous, parce que si vous-même déjà, vous ne croyez pas en vous, ce n'est pas les autres qui vont y croire. Et que la seule erreur, moi je dis toujours, c'est comme quand vous êtes dans un bateau où il y a une voie d'eau, la seule erreur, c'est de ne pas boucher la voie d'eau. Voilà. Même si vous le faites avec vos mains alors qu'il faudrait prendre un étai, au moins quelqu'un aura fait quelque chose. Moi, j'ai peut-être une question. Qu'est-ce que vous en... Parce que donc, Covidum, là, ça, l'activité a été stoppée, je crois, j'avais lu ça, suite à la fin de l'épidémie, tout simplement. Enfin, la fin. la réduction, diminution des besoins, en tout cas. Qu'est-ce que vous en retirez dans votre pratique aujourd'hui, parce que vous êtes cardiologue? Est-ce que vous continuez à avoir des activités de téléconsultation, télésanté, d'autres projets innovants à venir? Alors moi, j'étais déjà un peu dans tout ce qui était télésanté, e-santé, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. On peut dire qu'actuellement, à peu près un tiers de mes consultations se font en téléconsultation. Ça permet d'éviter que les patients se déplacent. Nous, ça nous fait gagner du temps. Et par exemple, vous voyez, on dit toujours aux patients, on leur donne des traitements et puis après, qu'ils se débrouillent avec. Moi, mes patients, je leur dis, je vais vous débuter un traitement, mais des fois, il y a un petit problème de tolérance. Je vous propose qu'on fasse juste une téléconsultation dans une semaine, voir comment ça va. Et rien qu'en faisant ça, votre patient, il est sécurisé, il va mieux prendre son traitement, il comprend mieux pourquoi.
Deuxièmement, quand vous avez besoin d'optimiser régulièrement les traitements, par exemple, moi j'ai des traitements qui vont baisser la mortalité de 30%. Mais au total, vu les délais d'attente en consultation, pour choisir la dose maximale, faudrait 2 ans. Vous imaginez attendre 2 ans pour être bien traité pour votre cancer? C'est ridicule. Et donc, par définition, là, la téléconsulte peut aider. Et puis, la troisième chose, c'est utiliser la télésurveillance de façon intelligente. C'est de dire pourquoi on télésurveille. On télésurveille parce qu'on veut être sûr que le patient soit stable. Et moi, je dis aux patients, quand vous télésurveillez, ben, la différence par rapport à votre vie habituelle, vous vous dites tous les jours, mais est-ce qu'aujourd'hui, je vais être bien? Est-ce que je peux aller voir, est-ce que je peux aller manger au resto chez mes amis? Est-ce que je n'aurai pas l'air ridicule parce que je ne vais pas être bien? Eh bien, la télésurveillance, tu fais ton surveillance, c'est green. Ben, enjoy, profite de ta journée. Et donc, en soi, la télémédecine, ça libère. Alors après, ce que je dirais que je retiens sur l'élément Covid-Home, c'est 2 choses. La première chose, c'est que j'ai rencontré des gens extraordinaires à cette occasion et que le 26 juin à midi, on se retrouve aux Tuileries avec tous les anciens Covid-Home. Donc, n'hésitez pas à aller les retrouver. Et puis que même si on a réussi à faire face pendant la crise, on voit bien qu'est-ce qui se passe dans l'après-crise. L'après-crise, tous les gens qui restaient en dessous du marigot, à rien faire, à attendre, en fait ressortent de leur marigot en se disant « si, j'étais là, regardez ». Et donc le problème, c'est que ben, après, tout revient un peu à l'ensemble, un peu comme dans le film Le Guépard où on dit « il faut que tout change pour que rien ne change ». Et donc ce qui est très important, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir construire derrière. Et ce que nous montre Covid-Home, c'est qu'en fait, la télésurveillance n'est pas réservée qu'à la pathologie chronique. Elle est très utile dans la pathologie aiguë, quand pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, vous voulez être sûr que votre patient soit stable. Et ça, ça pourrait vraiment désengorger les urgences, non seulement du Covid, mais des autres pathologies, et éviter qu'on attende 6 heures en se contaminant avec d'autres germes, tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui viennent pour la bobologie. Maintenant, il faut avoir le courage, c'est un courage, à la fois gouvernemental, à la fois institutionnel, de se dire, eh bien, on va aller plus loin que traiter la crise. Et donc, on va refaire une architecture du système de santé. Et comme je dis, on a inventé à un moment le style rococo et on n'est plus en style rococo. Et il faut avoir le courage de dire, c'est beau le rococo, mais probablement c'est un peu chargé. Je crois qu'actuellement, notre système de santé est très chargé. Le défi, il est toujours là. Si ce n'est pas le Covid, ça sera autre chose. Ça sera un autre problème d'urgence. Et que quelque part, des fois, il faut savoir avoir une thérapie de choc. Ce n'est pas facile de décision. Mais encore une fois, la désertification médicale, c'est maintenant qu'on doit la traiter. Et puis, je crois que l'autre élément qui est très important, que vous avez bien montré dans le Karolinska, c'est qu'il n'y a plus d'éléments médicaux, d'éléments paramédicaux, de patients. Tout ça, c'est un cercle de soins avec des intervenants qui ont chacun leurs compétences et leurs rôles. Et si on transformait notre patient en étant notre meilleur collègue, bah, globalement, on n'aurait plus de problème, on gagnerait du temps. Ça ne nous empêche pas d'être nous docteurs et d'avoir des responsabilités, mais quelque part, l'ego n'a plus rien à voir quand on s'occupe de la personne humaine. Et en tout cas, bravo pour cette bonne idée de faire des webinaires. Merci, et merci de faire les liens avec nos webinaires passés, parce qu'on en avait fait un sur l'expérience patient qui allait complètement dans le sens de ce que vous nous dites, dont le replay est disponible sur la chaîne de Dialogue Health. Inès, tu veux que je partage les dernières diapos? Alors, comme d'habitude, on a fait une section 3 petits pas. L'idée des 3 petits pas, c'est de se dire, on vous présente des exemples qui sont aboutis, qui ont atteint une maturité qui fait rêver et qui brise un peu les plafonds de l'imagination. Mais en fait, pour faire le lien avec ce que disait Patrick, à la base, c'est toujours des personnes, c'est jamais des organisations froides et anonymes qui créent ces disruptions, ces innovations. Et en fait, derrière, c'est toujours des gens comme vous, comme moi, comme Patrick, qui se disent à un moment, eh ben, il faut agir. Et donc, du coup, je fais le lien avec cette notion-là d'intrapreneuriat, c'est-à-dire on est dans une organisation, on est à l'intérieur, on la connaît bien, on détecte un problème et au lieu de se retourner en arrière en voyant qui c'est qui va rattraper la balle ou qui c'est qui va gérer le problème, si l'organisation elle-même va avec ses petits bras et ses petites jambes agir, et bien du coup, les intrapreneurs, ils ont ce réflexe-là et c'est pour ça qu'on est tellement heureux et fiers d'avoir Patrick aujourd'hui dans le webinaire parce que c'est, voilà, c'est quelque chose qui, quand même, qui a été historique pour un CHU français mondial, qui a été fait avec une rapidité incroyable. Moi, quand j'ai suivi ça, j'étais aux États-Unis, j'ai d'abord suivi Covid-Home, je ne savais pas que c'était Patrick derrière. Quand j'ai vu que c'était Patrick, j'ai dit, mais ça ne m'étonne pas, enfin, ça pouvait être que lui. Et donc du coup, dans cette idée d'identité d'intrapreneur, on essaye de voir des petits pas pour un peu changer
le regard. Alors là, j'ai fait de la triche. D'habitude, c'est trois petits pas. Et là, j'ai mis un bis. Donc, ça nous en fait quatre. Je pense que pour faire le lien avec ce que disait Patrick, c'est de considérer la santé connectée, la e-santé, pas comme un canal supplémentaire d'offres de soins, ce qui est souvent le cas aujourd'hui. C'est y a notre système plus des goodies de santé connectée ou des goodies de e-santé, mais de le voir comme une lame de fond qui restructure tout. Et je raccroche avec ce que tu disais, Patrick, tout à l'heure, dans le bureau de Martin Hirsch, tu disais vous étiez quatre, et la question, c'est on switch, on sort de notre manière de penser silotée de comment on fait d'habitude, on switch la responsabilité populationnelle. Si on multiplie par 5, par 10, par 100, par 1000, est-ce que nos canaux et notre architecture, elle tient la route? Et c'est là où, du coup, le besoin de disruption, il est évident, c'est-à-dire de dire, là, il faut repenser le problème autrement. C'est-à-dire que plutôt que de dire, on va faire comme d'habitude, plus on va ouvrir une voie en plus, c'est on va dire, non, non, le premier recours ou la première porte d'entrée, ou etc., va être différente et on va avoir un changement de paradigme sur comment on accède aux soins. Aujourd'hui, sur la santé connectée, par exemple, aux États-Unis, on prend en compte les problèmes de démographie, on prend en compte les problèmes de burn-out des docteurs, qui sont une thématique qui explose aussi chez nous en France, et avec vraiment une approche de s'il faut la demande en soins est multipliée comme elle l'est aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir résoudre le sujet juste en formant plus de médecins, en augmentant les quotas, en permettant plus de passerelles? Non, donc il faut repenser autre chose, et notamment voir la place, c'est pour ça qu'on voit se développer des cliniques virtuelles avec des portails d'entrée, de première entrée, de premier recours en virtuel, avant de disséminer dans le reste du système de santé. Donc je dirais qu'un des premiers réflexes, c'est de voir la santé connectée, pas comme un gadget du tout, mais comme quelque chose qui redéfinit complètement la manière de penser l'architecture. Peut-être que c'est comme disait Patrick, il faut changer de style, donc le rococo c'est trop chargé, il faut vraiment changer les bases. Ensuite, de partir des besoins des patients, des aidants, avant de partir des besoins des organisations, ce qu'on fait souvent dans nos réflexes de travail, puisqu'on se place forcément dans l'angle de là où, par là où on attrape le sujet, et plutôt de partir de là où est le patient, là où est l'aidant, et c'est ce que Covidum montre à la perfection, c'est le patient, il est où? Il est chez lui, il est déjà hospitalisé, etc. Et c'est quoi son besoin à lui? Et donc ça alimente ce changement de paradigme. Ensuite, évidemment, le fait de s'appuyer sur les pairs. Alors ça, on le dit souvent, mais clairement, de commencer avec ceux qui y croient, pas forcément qui sont les plus experts, quelle que soit leur chapelle. Là, il faut surmonter les chapelles administratives, médico-soignantes, financières, etc. Reconnaître ou adopter le postulat que à plusieurs différents, on est plus intelligent, hein, même si on n'est pas toujours d'accord, même si ça nous remet forcément plus en question. Et là, je trouve assez magnifique le cas de Covidum, d'avoir associé des médicaux, des non-médicaux, finalement, les soignants de cœur, c'est-à-dire tous qu'ils aient un diplôme ou pas, qu'ils soient sortis d'une fac de médecine ou d'un IFSI, soignants de cœur. Et l'importance majeure d'avoir aussi des gens qui sont à l'extérieur de notre système et qui peuvent jeter un regard que nous, on ne peut plus jeter parce qu'on est complètement dans le moule, hein. On est devenu expert de nos organisations. Donc, le fait qu'il y ait des personnes de la culture, des personnes complètement extérieures, ça jette un regard de citoyen aussi, sur ce qu'on doit attendre dans la santé. Et puis, en troisième recommandation, de s'intéresser aux territoires vierges. Aller sur les dossiers les plus politiques, les plus tendus, où on est attendu au tournant, souvent c'est risqué, hein, parce qu'on ne tolère pas l'expérimentation. Donc, de se trouver, comme d'habitude en innovation, un terrain qui a un vrai intérêt, où il y a un vrai besoin, où il y a un vrai angle mort dans l'offre de services, mais où on est un peu protégé de la pression politique et des guerres de territoire pour pouvoir expérimenter et montrer ses résultats. Et je m'arrête là, Patrick et Émilie, si vous voulez compléter ces petits tips, trucs et astuces pour débuter, ne vous en privez pas. Non, mais tout à fait, je pense que tu l'as bien dit, on voit bien. Le vrai pari, par exemple, de Martin Hirsch, c'était de se dire la PHP s'occupe des patients hospitalisés, et ben on va créer quelque chose pour les patients non hospitalisés. Et ça, c'était très malin parce que traiter que la conséquence sans traiter la cause, c'est toujours un problème. Et j'allais dire, pour dire un élément en une phrase, je dis souvent ça, mais je pense que c'est important, c'est de se dire, en fait, tous les gens qui sont un peu sensibilisés, et tous les gens autour de ce webinaire le sont forcément, il faut accepter de se prendre des baffes. Mais il ne faut pas accepter d'être frustré. C'est-à-dire que, par définition, la valeur que vous apportez au système, c'est vous.
Et que ce qui est dommage, c'est le pire, je trouve, c'est pas ne pas avoir d'idée, ça à la limite c'est dommage, mais bon, tant pis, c'est d'avoir la bonne idée de ne pas la défendre. Donc voilà, croyez en vous. Ça fait une très bonne transition avec le dernier point. Avec l'illustration de Luis Mariano sur le toit de Paris qui fait semblant de se jeter dans le vide. Mais l'idée qu'on partage tous les trois et dont on discutait hier encore, c'est d'oser. C'est en effet, de toute manière, en osant, on apprend toujours. Hein, et si on attend que tout soit parfait pour se lancer, en fait, on ne se lance pas et on ne fait jamais rien. Voilà pour c'est les ça, trucs pour, à suivre. Pour voler, en fait, comme on dit, pour voler, il faut pouvoir tomber et accepter. Et une petite compilation de ressources pour finir. Alors, vous trouverez plein de vidéos de Covidum en ligne et vous retrouverez Patrick présentant Covidum et d'autres de l'équipe sous les différents aspects parce que derrière Covidum, il y a évidemment le tour de force en termes de structuration d'une offre de soins en cas de crise. Mais il y a une aventure humaine qui est assez magnifique aussi, qui donne vraiment confiance aujourd'hui dans notre système où on se pose tant de questions et où il y a tant d'hospitaliers et de professionnels de santé qui quittent les organisations en santé. Donc, c'est un vrai, voilà, c'est du vrai baume au cœur, l'aventure humaine qu'il y a derrière Covidum. Il y a aussi l'ANAP qui propose des ressources sur la santé connectée, l'IRDES qui a sorti un rapport, la Cour des comptes aussi sur le potentiel de la télémédecine avec quelques recos. Émilie, je te complète les ressources Jackson, que tu connais mieux que moi. En anglais, il y a je vous conseille vraiment le site de l'Association médicale américaine AMA. Ils ont vraiment sur plein de sujets des super ressources. C'est très pédagogique. Il y a souvent des petits cours en fait qui permettent de s'approprier les notions. Et donc là, ils ont un rapport sur un playbook sur l'implémentation de la télésanté, notamment du point de vue des médecins. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et puis, une ressource que Inès m'a fait connaître, donc c'est Franck, je ne peux pas lire son nom, là, il est caché, mais... Franck Koumi. Voilà, Franck Koumi, qui est un Suisse qui fait des super infographies sur la télésanté, des points vraiment très pédagogiques. Sur plein d'autres sujets. C'est un des gars que je suis sur LinkedIn, je ne le connais pas, mais franchement, il fait tout le temps des infographies hyper claires, hyper riches. C'est un vrai plaisir de se sourcer et de s'inspirer avec ce qu'il produit ou ce qu'il relaie. Voilà, et puis je pense qu'on peut donc remercier Patrick Jourdain de s'être rendu disponible pour échanger avec nous, et puis nos partenaires, donc Dialogue Health et Manager Santé. Qui soutiennent cette petite série de webinaires. Et donc, rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera sur le développement durable, le mercredi 29 juin, voilà. À midi, comme d'habitude. Sur la RSE, on aura une équipe hospitalière pour avoir les pieds sur terre, l'équipe de Bordeaux, et puis quelqu'un qui vient d'un autre horizon, notamment de Veolia, dans la catégorie grandes organisations où l'innovation n'est pas forcément facile à développer, où il y a des vrais challenges, et puis qui se positionne beaucoup sur la RSE. On aura une actrice de la RSE à Veolia qui nous fera part de son retour d'expérience. Et pour le mot de la fin, on va donner le mot de la fin à Patrick. Moi, je vous remercie encore Émilie et toi. C'est un plaisir de se retrouver à ce webinaire après les croisements au ministère de la Santé ailleurs. Et c'est un plaisir de pouvoir parler de cette belle aventure qu'est Covidum. Et à toi, Patrick, le mot de la fin. Bien, merci. Donc, comme on l'a dit, c'est oser, croyez en vous, ne vous occupez pas de l'organisation. Et puis, au-delà de ça, tout ce que vous ferez sur la base du volontariat ou d'une bonne idée que vous voulez faire travailler, essayez autour de vous d'être de bons ambassadeurs pour avoir la masse critique. Vous n'êtes pas seul. À bientôt. Super. À bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis.